le skeleton speaking, on fait dans la voiture parce que dehors c'est le refroidissement climatique. Oh là là. Comme ça en passant, vous avez vu qu'ils ont changé leur discours. Oui, parce que le réchauffement planétaire, ça allait plus bien. Ben non, parce que en Sibérie, pendant l'été, il y a des températures les plus basses jamais enregistrées. Là, au mois de début septembre, par là, milieu septembre, avant que ça passe à l'automne, donc c'était encore en été, il a neigé beaucoup en Autriche et ils ont ouvert les stations de ski à 1500 mètres. C'est pas haut, hein. Non, c'est pas 4000 qui neige, hein, c'est à 1500 mètres, hein. Et ici, il a fait un froid pas possible. Voilà. Alors, vous avez vu donc, ils ne disent plus réchauffement climatique, ils peuvent plus, mais ça a l'air complètement idiot, hein. Ils passent pour des oufs complets, quoi. Voilà. Alors maintenant, ils parlent de simplement changement climatique. Il y aura des vidéos là-dessus. Bon, là, je voudrais vous passer un message du Crystal Bell, avec qui je suis en contact, hein, que j'ai déjà photographié dans toutes les montagnes ici, je vous en mettrai après sans doute, hein, et reçu par Eugenio Siragusa il y a quelques bonnes années déjà, hein, presque 40 ans. Mais le temps et l'espace n'existent pas pour les frères de l'espace, donc c'est toujours valable maintenant, et en plus, ce qui est dit, c'est pile poil pour maintenant. Alors, je vais vous le balancer là. Hein, vous savez pourquoi je vous le donne, hein, parce que vous avez vu ce que j'ai dit dans des vidéos précédentes. Mais on fera les commentaires après, on reviendra à certaines parties de ce texte, hein, y compris sur le titre là-haut, hein, disons, l'organisation de Siragusa, dont je faisais partie, hein, j'ai déjà reçu une lettre de Siragusa lui-même, hein, ça s'appelait du ciel à la terre. On en causera après, hein, à la fin. Voilà. Allez, on démarre avec donc O'Hara. Il n'est pas irlandais, hein, c'est Hoara. Reçu en PESLX par Eugenio Siragusa. On y va pour le texte, on fera les commentaires après. Nous connaissons très bien ceux qui sont adeptes de la manipulation des communiqués que nous transmettons par l'intermédiaire de nos émissaires opérant sur votre planète. Il est désormais bien connu qu'il existe une forte opposition de la part de qui a tout intérêt à ce que les choses sur la Terre changent dans le sens régressif, tant sur le plan moral que sur les plans matériels, scientifiques, économiques, politique et religieux. C'est pourquoi des conjurations méthodiques apparaissent, visant à confondre, ridiculiser, dégrader les concepts réels de notre discours et de nos principes. Dégrader les concepts réels de notre discours et de nos principes, indissolublement liés aux valeurs ne pouvant être supprimées de l'éthique universelle, habilement affirmée par un grand génie cosmique, sur Terre Jésus, votre et notre maître de vie et de vérité. Il est vrai par ailleurs que ces sinistres personnages sont la cause d'une pratique sélective pour tous ceux qui, consciemment ou inconsciemment, sont entraînés vers la partie opposée au bien, car attirés par les invitations délirantes vers tout type de bestialité pour vaincre l'ennui. Les méthodologies mises en pratique par ces instituts occultes et par leurs partisans ressortent à travers des livres, des films, des conférences, etc. Le but principal est celui de dissuader et de faire croire que notre esprit fera de l'espace. Les pervers, notre intelligence ridicule, puérile et primitive, et nos instincts sauvages et sanguinaires. La grande bataille d'Armageddon est commencée et le jugement est en cours.
nous vous conseillons d'être très attentifs et de bien discerner le menteur du véridique, le juste de l'injuste et le pervers du sage. Il ne reste plus beaucoup de temps pour manifester d'être pour la vérité ou contre la vérité, avec Christ ou contre Christ, énergie Christ. Les temps pressent chaque jour davantage et les événements vous harcèlent avec un tragique toujours croissant. Demain, il pourrait être trop tard, car le voile de Maya qui recouvre le visage des êtres dégénérés, immondes, fils du prince des ténèbres, est destiné à tomber en provoquant des désillusions et de l'amertume pour tous ceux qui se sont laissés impliquer par les offres alléchantes de folie et d'excès de profit matérialiste en négligeant les hautes valeurs de l'esprit fraternel, universel et de ses effets bénéfiques. Nous vous avons averti, le langage des justes est clair et sans équivoque. À vous de choisir. Du Crystal Bell, Ouara, salut. Transmission P Solex by Eugenio Siragusa. Voilà, c'était un vrai message des frères de l'espace. Je n'utilise plus le mot galactique car les galvaudés complètement. Ça ne veut plus rien dire. Alors galactique, poubelle, le mot. Alors, vous avez vu ce message, vous l'avez entendu. Je l'ai déjà donné dans le temps, dans ma chaîne, dans des vidéos de plusieurs années en arrière. Mais comme la chaîne est en ghost banning, que plus rien n'est disponible, qu'on ne voit plus rien, et tout le monde a dû oublier ce message. Alors le voilà, vous l'avez. Ça va comme ça? C'était bien comme message? Oh bon oui, mais non, mais Captain, il n'est pas très gentil comme message. Hein. Et puis, où c'est l'amour, la lumière là-dedans? Parce que d'habitude, un message, c'est beau un message. Nous, on est à l'habitude des beaux messages. Hein, on veut des beaux messages. Bisounours, beaux messages. On va régler cette affaire de beaux messages tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Parce que ça fait partie d'un délire qui dure depuis très, très longtemps. Exemple, à l'époque où, avec la revue Rencontre, un réseau s'était monté et j'envoyais des informations par la poste. On faisait des réunions, des stages en avertissant par la poste, les gens s'inscrivaient par la poste, par lettre, à l'époque où c'était encore du service public. Voilà. Et là-dedans revenait généralement, parmi ceux qui participaient, qui venaient aux réunions et tout ça, hein, cette idée des beaux messages. Ah, oui, il y avait une personne que je ne vais pas nommer, hein, parce qu'on respecte, qui avait quelqu'un dans son entourage qui organisait des communications. Ah ben oui, on n'appelait pas ça Chalening à l'époque, d'accord. Bon. Alors voilà, et puis donc la personne qui diffusait ces messages, hein, c'était une dame qui les recevait, et puis là c'était un monsieur qui venait dans nos réunions, et qui disait à chaque fois, « Ah, vous savez, on a reçu des beaux messages. » Ah. Parce que pour qu'un message soit vrai, il faut qu'il soit beau. Ah. Parce que du moment que le message est beau, ça veut dire qu'il est vrai. Ah. C'est ça la théorie? C'est ça la théorie? Oui, cette théorie continue aujourd'hui, justement, avec tous les messages galactiques qui nous arrosent, comme les chemtrails, sur la tronche, partout sur Internet, que c'en est à gerber. Ah oui, mais c'est beau. Oui, c'est beau. Oui, eh bien, c'est pas parce que c'est beau que c'est vrai. Justement, hein, ceux qui trompent, ils font semblant que ce soit quelque chose de beau, pour vous tromper. Hein. Alors, c'est pas une preuve, ça, hein, qu'un message soit vrai des frères de l'espace, de la chère commande de la Confédération Galactique. Parce que c'est un bon message. Ah ben sûrement pas. On va recoser, il y aura une vidéo exprès là-dessus. Alors, un petit mot ici, là, là-dessus, là. Là.
Je le redonne. Alors, est-ce que vous l'avez à l'endroit? Je ne sais pas. Bon, ça, c'est spécial, hein. Ça, ici, là, ça, c'est pour ceux qui se reconnaissent. Ça, c'était le logo, le signe de reconnaissance de toutes les troupes de Eugenio Siragusa. D'accord? Non, moi, ce que je vais vous montrer, c'est là. Là, toute l'organisation de Eugenio Siragusa, où nous étions 50 000. 50 000 dans toute l'Europe, puis dans tout le monde entier, s'appelait du ciel à la terre. Vous auriez remarqué que quelqu'un a repris ce cycle du ciel à la terre. Parce qu'à l'époque où ça existait, ça, avec ce logo-là, là, il y avait une déléguée en France qui redonnait tout, hein, qui s'appelait Lydie Caillot, du côté de l'Hérault, du Gard, je ne sais plus, par là. Hein, voilà. Et quand Maria Milesi, la secrétaire de Eugenio Siragusa, et Lydie Caillot ont cessé d'envoyer donc les bulletins aux 50 000 personnes, parce qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Le cycle du ciel à la terre était resté dans les archives de la Siragusa. Et tout d'un coup, ça a été repris par une personne qui nous le balance sur Internet depuis plusieurs années. Du ciel à la terre, voilà. On a repris du ciel à la terre, sans l'autorisation de Eugenio Siragusa. Excusez-moi. Moi, j'ai eu l'autorisation de Eugenio Siragusa, hein, qui a écrit une lettre destinée à moi avec toutes les instructions que je devais continuer à faire passer tout ça, hein, et ça avait été traduit de l'italien en français pour moi par Maria Milesi. Voilà, moi j'avais l'autorisation, mais la personne qui a repris ce sigle là, c'est la terre, n'a pas eu l'autorisation de Eugenio Siragusa. Hein. Je voudrais bien voir une lettre de Eugenio Siragusa qui donne l'autorisation à cette personne de faire ces channeling d'Astor, aujourd'hui de Corton, je sais pas quoi. Vous aurez tous reconnu de qui on parle. Mais on verra ça dans une vidéo spéciale que je vais faire pour vous montrer cette fois les faux messages. Écoutons un peu, analysons un peu en vitesse le message ici. Nous connaissons très bien ceux qui sont adeptes de la manipulation des communiqués. Eh bien, nous voilà en plein. Les interférences de tous les channelings et de tous les gens qui se disent Chanel, comme la personne que j'ai nommée là. Autoproclamé Chanel, j'en dirai pas plus pour l'instant. Il y a une manipulation de tous les messages, hein, de toute l'énergie des frères de l'espace, à travers ces gens qui nous balancent des faux trucs galactiques. Comprenez? Voilà. Alors, on a encore à mettre ici. Il y a des sinistres personnages, ça c'est vrai. On a les méthodologies d'institut occulte. Ben, on sait de qui on parle. Les Mac-Mac. Hein, voilà. Qui veulent faire croire que les frères de l'espace sont pas bien, sont pervers, ridicules, puérils, primitifs, instincts sauvages et sanguinaires. Ils préparent l'invasion extraterrestre qui va dire que les frères de l'espace sont dangereux et négatifs. Bataille d'Armageddon, ben on est en plein, vous regardez le Moyen-Orient, là, parce que c'est là qu'elle doit se dérouler, hein, si vous regardez bien les prophéties. Jugement est en cours, hein, voilà. Alors, soyez très attentifs et discernez le menteur du véridique. Et là, nous avons plein de menteurs dans toutes les communications, les textes, les channelings, les vidéos, les articles, tout ce que soi-disant galactiques. Il y a plein de menteurs. Le véridique, il est très difficile à trouver aujourd'hui. Voilà. Le langage des justes est clair et sans équivoque. Vous devez le trouver clair. Et ça, c'est clair, ça. Ah, c'est sûr, c'est pas du bisounours. Ah ben, c'est pas un bon message. Oui, eh ben, parce que c'est clair et sans équivoque. Hein, c'est les faux qui sont bon message et bisounours. Voilà. Vous captez, tout le monde? J'espère. Adonai Vasubaragus, Captain Out.